Comment avoir des veines sur le ventre, sur votre bide? Comment avoir des veines? D'accord? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est qu'il faut être très sec. Ça, c'est une chose qui est garantie. Mais comment vraiment marquer vraiment vos veines? D'accord? Il faut faire des abdos tous les jours. Ok? Les abdos ne sont pas que faits dans la cuisine. Alors oui, des abdos d'enfant. Ok? Mais si vous voulez vraiment avoir des gros abdos, ok? Il faut faire des abdos tous les jours. Ok? Et avec des charges, avec de la résistance. C'est la première chose. Ensuite, il faut réduire son nombre de glucides par jour. Moi, je vous conseille de ne pas manger plus de 100 grammes de glucides par jour pour commencer. Et après, vous pouvez encore diminuer 75 grammes, 50 grammes. Encore une fois, ce n'est pas une question de calories, c'est une question de réduire vos glucides. Donc faites vraiment ça. Et puis après, avec le temps, plus vous allez faire vos abdos, plus vous allez sécher et plus vous avez des chances d'avoir des veines, que vous voyez là, qui apparaissent sur le ventre. D'accord? Après, vous pouvez faire ma technique où on va métaphoriquement souffler à l'intérieur de votre corps pour faire sortir vos veines. D'accord? Mais déjà, faites ces deux premières choses.